Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Un récent aveu du gouvernement français, après 60 ans de déni officiel que l'armée française a torturé et assassiné le héros nationaliste algérien Ali Boumendjel. Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures visant à réconcilier la France et l'Algérie après plus d'un siècle de colonisation qui s'est terminée en 1962, à la suite d'une guerre civile de 8 ans. La France a déclaré mardi que les chercheurs auront un accès plus facile aux fichiers gouvernementaux classifiés depuis de 50 ans, en particulier ceux relatifs à la guerre d'Algérie. Encore un chapitre très controversé de l'histoire française. Le président Emmanuel Macron a ordonné aux services d'archives d'accélérer l'accès aux documents éligibles à la déclassification jusqu'en 1970, a indiqué son bureau dans un communiqué, notamment les documents relatifs à la guerre d'Algérie. Voici quelques dates clés des relations franco-algériennes, des relations douloureuses pour le peuple algérien. En 1930, la France occupe Alger. En 1848, après un soulèvement dirigé par le chef rebelle Abdel El Kader, Paris déclare que l'Algérie fait partie intégrante de la France. Et c'est malgré les milliers de kilomètres qui séparent les deux pays. 1942, débarquement allié en Algérie. En novembre 1954, les attaques des rebelles contre les colons français signalent le début de la guerre d'indépendance par les guérilleros du Front de Libération Nationale, FLN. Janvier 1957, la bataille d'Alger commence par une campagne de bombardement contre les colons. Les parachutes français utilisent la torture pour extraire des informations sur les bombardiers et briser les cellules rebelles. Mai 1958, l'armée française soutient le soulèvement des colons. La 4e République française s'effondre. Le général Charles de Gaulle revient au pouvoir. Janvier 1960, les colons se rebellent contre les initiatives de De Gaulle pour négocier avec le FLN. La tentative de coup d'État d'avril 1961 des généraux de l'armée française à Alger s'effondre. Mars 1962, la France et le FNL signent un cessez-le-feu. Une organisation secrète de l'armée composée de colons et de déserteurs de l'armée enflamme les villes algériennes pour tenter de conjurer l'indépendance. Juillet 1962, l'indépendance algérienne est proclamée. 1 million d'Européens surnommés Pieds Noirs fuient pour la France. L'Algérie affirme qu'1 million d'Algériens sont morts pendant la guerre. 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing devient le premier président français à visiter l'Algérie indépendante.
En 1982, le président Zadi Bezedi effectue sa première visite officielle en France. En 1992, la guerre civile algérienne éclate après l'annulation des élections. En 1993, les rebelles fondamentalistes du groupe islamique armé ZIA ordonnent aux étrangers de quitter l'Algérie ou mourir. Décembre 1994, les rebelles du ZIA détournent un Airbus d'Air France d'Alger à Marseille, tuant trois passagers avant d'être abattus par la police française. Air France décide donc de suspendre ses vols vers l'Algérie. 1995, les rebelles du ZIA acquis en Paris de soutenir les dirigeants algériens, en tue 12 dans une campagne à la bombe en France. Les pourparlers entre le président Jacques Chirac et Lamine Zeroual seront annulés. Mars 2003, Jacques Chirac, lors de la première visite d'État d'un président français depuis 1962, bénéficie d'un accueil chaleureux, affirmant qu'un passé troublé devrait maintenant céder la place à la réconciliation. Juin 2003, Air France avait volé son premier avion de ligne vers l'Algérie en 9 ans. En juillet 2006, Bouteflika déclare dans un discours que la domination de la France sur ces pays d'Afrique du Nord était l'une des formes de colonisation les plus barbares de l'histoire. Juillet 2007, le président français nouvellement élu, Nicolas Sarkozy, défend son refus de s'excuser pour les méfaits coloniaux en disant que les dirigeants devraient se concentrer sur l'avenir et ne pas se battre la poitrine à propos du passé. Le pire des présidents que la France a eu. Novembre 2007, le chef des vétérans de la guerre, Mohamed Saïd Abadou, appelle Paris à s'excuser pour son passé colonial. Juillet 2020, la France remet à l'Algérie 24 crânes de combattants anticoloniaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt pour une autre lovely vidéo. Ciao.